Alors, ce midi sur la canne, rebonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable à couvert avec des averses et des grains sporadiques. La température extérieure est à 15-16 degrés, la température de l'eau est à 15 degrés, la marée est en train de finir de descendre, le plein bas est à midi 20, des coefficients de 81. Sur cette fin du descendant, le vent tonne-shore s'est renforcé ouest à ouest-sud-ouest. Il y a 3 à 4 beauforts établis, des rafales à 4-5 quand il y a les grains. Donc on a un plan d'eau qui est clapoteux au bord, qui est bien clapoteux, bien moutonneux au large. Et une houle bien agitée par le vent qui est tordue, orientée très ouest, un petit peu ouest-nord-ouest, 10 secondes de période. Une houle qui est à la hausse, 1m30 sur les scieries. Quand il n'y a pas les scieries, il y a un déferlement régulier à la hauteur de 1m à 1m20. Les vagues sont médiocres, c'est en vrac, c'est pourri. C'est pas la tempête, mais c'est bien médiocre. Il n'y a personne à l'eau, à part quelques écoles de ci, de là, qui s'amusent dans les moumousses. L'évolution pour le reste de la journée, ben la bouard cachant est à la hausse, mais vraiment pas grosse, quoi. À 2m10 et 6 secondes. Il n'y aura pas de mètre hein, ce soir, sauf erreur de ma part. Il n'y aura pas de mètre. On aura à 13h, bon, 1m30 ou ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent ouest-sud-ouest, 3, 4, 5 beaufort. Et à 17h, 1m50, peut-être 1m80, mais vu le relevé sur la bouée, c'est pas sûr du tout. Ou l'ouest à ouest-nord-ouest, 10 secondes de période, vent d'ouest, 5 à 6 beaufort, quelle que soit la taille, ça ne va pas changer grand-chose. Ça sera médiocre et agité dans le vent du surf très compliqué. Bon dimanche, on se retrouvera demain matin à 6h pour le prochain bulletin, merci.